Beaucoup de partants pour vous, Sébastien, dans le prix Jules Thibault, avec notamment la rentrée du champion Bold Eagle. Est-ce qu'on peut rappeler déjà ce qui s'était passé avec lui ? Ouais, Bold, il a eu un virus, il s'est mis à beaucoup tousser pendant 3-4 jours, et puis après la course, encore pire. Et donc après, ben, il était amorphe carrément, donc voilà, il n'a pas fait sa course, il était malade. Qu'est-ce qu'il a fait du coup depuis qu'on ne l'a plus revu ? Il s'est reposé pendant 3 semaines, un mois, sans travail du tout. Ensuite, j'ai repris gentiment, et puis il a travaillé intensivement depuis 6 semaines, on va dire. Voilà. Donc, ça se passe comment au travail ? Oh, très très bien. Je suis allé bien. Depuis 3 semaines, je mets à côté de Villeroy et il commence à le déposer depuis peu. Donc je pense que c'est pas mal, on est sur la bonne voie. Okay, demain le lot est fort, hein. C'est déjà une belle course, il y aura Bird Parker notamment. Le vôtre fait sa rentrée. Quel est le but en fait pour lui de la course de demain ? Ah ben, le but, c'est déjà qu'il court bien. Après, bon, il n'est peut-être pas à 100%, mais je demandais à Franck de le couvrir comme s'il était normal, quoi, comme s'il n'y avait rien eu, et il va faire sa course pour gagner. D'accord, j'imagine que pour vous, la course de demain est importante pour se rassurer un petit peu. Bon, après, bon, c'est sûr qu'il va peut-être manquer un peu, mais bon, même si, qu'il fasse une belle course, et puis après, s'il est battu, tant pis, mais qu'il court bien quand même, qu'il nous rassure un petit peu. Puis l'objectif, ce sera l'UET après, derrière, au mois de septembre. Ok. Les autres partants dans cette course, des bons chevaux, hein, Bolero Love notamment, qui s'est placé dans le critérium, comment va-t-il ? En Bolero Love, lui, il avait mal couru l'autre jour, il était en tête, il avait cramé un peu à la fin, il était fatigué le cheval. Là, au travail, il est revenu pas mal, même très bien, je trouve. Après, ça reste une rentrée aussi. Beau gamin qui a bien couru à Enghien derrière Bird Parker. Bah, beau gamin, lui, c'est le cheval qui est sur la montante, on va dire. C'est un cheval qui est prêt, donc le cheval est pas mal. Il va faire sa course. Hein. Il peut être dans les 4 premiers, voilà. Et Booster Winner qui court aussi. Voilà, Booster fait sa rentrée en vue du semi classique monté une semaine après. Mais bon, attelé, je vais le défaire des 4. Et puis je pense qu'il va faire une bonne course aussi. Le cheval a bien travaillé.